veux faire un brin de causette de temps en autre, tu sais où me trouver. Allez, moi je me casse, j'ai envie de faire pipi. Oh, la vieillesse. Mon mari aime beaucoup cet endroit. Mais dès qu'on sort du village, il y a de drôles de bêtes un peu partout. Donc fais bien attention, mon petit gars. Voilà, je me casse. Allez, à plus. Au revoir, madame. Cet enfant, tout ce qu'elle veut manger, ce sont des gâteaux. Que pouvons-nous faire? Ah, nous avons déjà essayé de lui faire manger tous les gâteaux qui existent sur cette terre. Sais-tu combien d'argent j'ai déjà dépensé pour elle? N'y a-t-il donc que l'argent qui compte pour toi? Qu'est-ce qui importe le plus, ta fortune ou notre fille? Si c'est comme ça, je trouverai un gâteau qui guérira ma fille, même si je dois pour cela vendre mon âme au monstre. Au monstre? Allez, c'est de la folie. Ah, tu es folle. Il est fou, Smiley. Attends, j'y vais. Je vais lui péter la gueule. La 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 la. Merci, merci mille fois, mon garçon. Ma fille engloutit ce gâteau au monstre avec une telle énergie. Oh, ça fait plaisir à voir. Elle est complètement remise sur pied maintenant. Je n'ai pas les mots pour te remercier. Eh ben, tu peux dire merci, ça sera déjà ça. Ah, ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais vraiment te donner ça. 300 rubis, vas-y, fais péter. Aurais-tu la bonté de discuter avec ma fille? Si tu veux, mais c'est chelou, madame. Mais pourquoi pas? Et petite! Petite! Arrête de courir, ou je te claque! Mamie qui tourne en rond, hein. Ah, je me suis perdu. Oh, gloire aux muscles. Oh, tu es celui qui a réussi l'épreuve de la paroi de fer, le quatrième frère de fer. Eh bien, bienvenue dans notre centre d'entraînement ancestral. Nous nous livrons ici à une épreuve d'endurance. Ouais, c'est chaud, moi je te le dis. Tu vas relever le défi pour devenir plus fort. Ici, nous affrontons pour savoir qui supporte le plus longtemps la chaleur. Ouais, je suis partout. Ah. Alors comme ça, tu cherches des trésors, toi aussi. La gang des Yiga a volé au Gerudo l'un de leurs trésors sacrés, une sorte d'orbe, de ce que j'ai compris. Je les ai suivis jusqu'ici. J'étais sûr qu'ils ne s'étaient pas dérangés pour un butin de rien du tout. Mais là, je t'avoue que je suis à deux doigts de renoncer. Mais d'ailleurs, j'y pense. Ils n'ont quand même pas l'intention de faire comme dans la légende et de jeter de l'orbe sacrée dans ce trou, j'espère. Non, mais moi je vais le faire. Non mais, t'es pas bien? Ou t'as appris à jeter des trésors aux orties comme ça? Si tu le voulais pas, t'aurais pu me le donner, tu sais. Mais désolé, madame. Oh mais lui est tombé, je suis dégoûté. Mais qu'est-ce qui t'a pris de le balancer comme ça? Un trésor inestimable. Ah, je le vois pas, c'est trop bas. Je vais te pousser. Ah, je suis toujours perdu, je sais pas où est ma maison.